Bonjour, Jean-Noël Enilorac, photographe et vidéaste sur l'île de la Réunion. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon harnais photo en cuir. Allez, à tout de suite. Le harnais photo se présente de cette façon. C'est juste, entre guillemets, c'est juste deux sangles pour mettre deux boîtiers sur les côtés qui sont rattachés les unes les autres. Voilà, basiquement. Vous le prenez, vous l'enfilez. Il se pose. Possibilité ici de rajouter, d'accrocher des choses. Mais en soi, alors, vous voyez, ici, c'est là où on met le boîtier et ça coulisse. Ça coulisse super bien. Vous lâchez. Les sangles normales de boîtier, quand vous en prenez deux, vous mettez vos deux boîtiers et en fait, le poids est sur les épaules. Avec ce harnais, avec son système à l'arrière, il répartit le poids des deux boîtiers sur le dos et non sur les épaules. Et quand vous avez entamé une journée de 15 à 17 heures de mariage, c'est là où vous voyez la différence. Perso, je les utilise réellement qu'en mariage. Et parfois en spectacle, mais c'est assez rare. Moi, j'ai surtout l'habitude de porter mes deux boîtiers. Voilà. Mais quand je suis dans des périodes de shooting très longues de type mariage, je préfère utiliser ça. Vous avez un système d'accroche ici. Vous enlevez et ça, vous le mettez sur votre boîtier. Alors, je vais vous prendre un Leica M10. Donc voilà, c'est tout simple. Ça, c'est vraiment le truc tout con. Voilà, vous tournez bien. C'est sur le boîtier. Voyez, vous prenez ici, vous ouvrez, voilà. Et ce qui est bien avec ces harnais, c'est qu'à partir de là, c'est sécurisé et vous pouvez lâcher. Je vous la refais. Mon boîtier, il est là. Je shoot. Allez, je peux le lâcher. Vous avez vu, il est sécurisé. On va le refaire un peu plus loin pour que vous compreniez. Je suis là, je shoot. Hop, et je lâche. Et le boîtier est complètement sécurisé. Je vais en reprendre un autre, Leica SL2S. Je reprends. Je remets ça. Je visse. Je tire ici. Ce qui est bien, moi, ce que j'aime bien, c'est ce système. C'est ce système de coulissement, où c'est super fluide et super smooth. J'ai juste à tirer. Je prends, j'enclenche. Et pareil que pour le M10, je lâche. Et là, je suis mais plus libéré que si j'avais mes deux boîtiers avec leur sangle. Parce que ce que je fais, moi, alors, moi, je suis plus un photographe qui travaille sans sac. Mon sac ne me sert qu'à emmener mon matériel de point A qui est chez moi à mon point B qui est le lieu de shooting. Mais quand je suis sur ce lieu de shooting, je n'utilise pas de sac. J'utilise mes boîtiers tout simplement à l'épaule. Quand je suis avec un boîtier à l'épaule, je suis toujours en train de remettre la sangle sur mon épaule parce que ça glisse, ça ne tient pas. Et c'est toujours en train de glisser. Je passe ma journée à faire ça. Là, avec ça, je suis mais complètement libéré. Je prends mon boîtier, je tire, il est là. Pareil pour l'autre. Je prends, et là, je suis complètement libre. Je peux me balader sans aucun souci toute la journée. Je peux attendre tranquillement, il y a une photo à faire. Je prends, je shoot, je relance. Et j'ai pas peur, en fait, de lâcher le boîtier. Là, je vais être franc avec vous, j'exagère un peu le fait de lâcher. Je lâche pas mes boîtiers en fait sur le shoot. Mais c'est pour vous montrer. En fait, ce que je fais, c'est que je fais ça et je remets. Je fais ça et je remets. Ça, c'est juste pour la vidéo. Alors, il y a un petit bémol par rapport au M10. C'est par rapport au M10. On n'a pas ce souci avec le Leica SL2S et avec les autres boîtiers réflexes, toutes les marques, Canon, Nikon, Sony, Fuji, bref. Sur le M10, si vous avez vu ma vidéo concernant les Leica, le M10 et le M6, alors j'enlève ça pour vous montrer.
c'est que le M10, pour changer la batterie ou pour changer la carte SD, il faut enlever ça, ici. Le problème, c'est qu'une fois que j'ai mis ça, je peux pas. Je peux pas, ça bloque en fait. Ça bloque le couvercle. Donc, quand je veux changer une carte ou une batterie, je suis obligé de dévisser ça, d'enlever la plaque du M10, et là j'accède à ma batterie et à ma carte SD. C'est un petit peu chiant. Ça le fait. Parce que en soi, par exemple, sur le dernier mariage que j'ai fait, j'ai changé, j'ai utilisé deux batteries, je l'ai eu à le faire qu'une seule fois. Mais voilà, c'est un petit truc à savoir, c'est un peu chiant. Mais c'est lié au design du M10. Et autre chose, je trouve moi que ces harnais en cuir, ben, ça habille. Ça habille. Par exemple, moi sur un mariage, je me mets qu'en polo. Je suis en polo. Voilà. À moins que les mariés me demandent un dress code bien précis qu'ils veulent que je sois en costard. Sinon, je suis en polo. Et un petit harnais comme ça, franchement, ben, ça habille un petit polo. Ça habille, c'est tout con, mais ça vous habille. Le mien, c'est, je sais plus la marque en fait. Oh, y a une marque, ouais. Cam Harness. Bon, je suis pas sûr que ce soit la marque même d'ailleurs, mais c'est tout ce qui est marqué. Alors, mon harnais, je me le suis procuré sur la plateforme Etsy. Je crois qu'il vient de l'Europe de l'Est. Vous pouvez en trouver, évidemment, la grosse marque connue, c'est Moneymaker. Mais le harnais coûte à peu près, près de 200 euros, quoi. Et c'est c'est un truc en cuir, hein. Alors, je veux bien l'artisanat, hein. Le mien, je l'ai acheté pour 80 euros. C'est du cuir de qualité. Toutes les fixations sont de qualité. Donc, vous pouvez trouver tous les prix. Si vous voulez vous faire plaisir, prenez les Moneymaker. Voilà, vous n'aurez pas de surprise. Juste sur la couleur, il en existe, j'imagine, plein. Hein. Moi, les couleurs que je connais, c'est marron, après différentes tonalités de ce marron, bordeaux ou noir. Je réfléchis, si je devais en reprendre un là aujourd'hui, si je devais en prendre un, peut-être que je le prendrais en noir. Voilà, parfois, j'ai plus l'impression d'être un cow-boy qu'un photographe avec ça. c'est ça. Allez, ça c'est que moi. C'est fini pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, lâchez un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Je vois qu'il y a plein de vues, mais pas forcément d'abonnements. Abonnez-vous, ça m'aide, moi. Franchement, ça m'aide à être référencé. Voilà. J'aime bien faire des vidéos, mais ce que j'aime plutôt, en fait, c'est de les partager, les vidéos. Si c'est pour juste faire des vidéos et moi tout seul, entre moi et la caméra, pas trop d'intérêt. Donc, abonnez-vous, ça aide grandement la chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve à la prochaine. Allez, tchou !